Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que mon partenaire est Écart Vertical. N'hésitez pas à checker ma description pour accéder au code promo pour avoir des réductions pour vos rapports. Là, on a l'exemple d'un Porsche Cayman qui a tapé, qui a été importé. Et du coup, on perd la trace une fois que la voiture arrive en France. Plus de photos. Donc, est-ce que la voiture a changé de couleur, etc. Machin, bref. Ça marche très très bien pour les véhicules importés. Donc, n'hésitez pas à checker à l'aide de votre VIN ou de votre numéro d'immatriculation. Ça peut sauver. Voilà la famille, bonne vidéo. Marit, bonjour. Bonjour. C'est bon ? Ça bonjour. Va ? Bah oui, ça va, merci. La famille, bienvenue. Une fois par an, tu viens. Oui, exact, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aime bien, frérot, parce que ça montre que les gens fidèles existent. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais te remercier de ta fidélité sur la chaîne. Merci à toi. Avec grand plaisir, frérot. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, rappeler en fait avec quelle première voiture t'es venu et qu'est-ce que les gens qui ne te connaissent pas ont raté? Ouais. Si tu dis. Ah, surtout la première. Surtout la première. Y a incroyable, incroyable. Ouais. Incroyable. Donc j'avais pour projet, je suis un grand fan de carbone. Et vous verrez avec celle-ci, il y a une orgie de carbone également. Et j'avais fait une Abarth entièrement en carbone. Incroyable. Donc, moi, vous savez comment j'aime les Abarth. Oui. C'est vrai que même moi, là, je me suis dit, ouais, c'est un vrai délire. Et mais bon, coup, très bonne vidéo d'ailleurs. Elle avait bien marché? Oui, la vidéo 500 000 vues. 500 000 vues, ouais. Putain, c'est bien. Du coup, j'ai merci du soutien, la famille. J'ai fait faire sur mesure donc en Allemagne. Il y a eu plusieurs pays qui avaient bossé dessus, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni. Et j'ai fait faire quasiment tout petit carrosserie sur mesure en carbone moulé. Donc que des pièces en carbone, capot, les ailes, le pare-choc avant, arrière, le coffre, l'aileron, les portes, les rétros. Toute la voiture, frérot. Quasiment tout, à part le toit et les ailes arrière. Est-ce que tu te rappelles du titre de la vidéo? Oui, il met 20 000 euros de pièces sur son Abarth. Voilà. Et au final, ça a fini à 34 000. Parce qu'elle n'était pas finie quand ça a fini à 34 000. Oui, okay, d'accord. Elle n'était pas finie. La vidéo, évidemment, est toujours dispo sur la chaîne. Vous rentrez le titre, vous trouverez la voiture. Et ensuite, je suis venu avec un Clash G55 AMG compresseur. Ouais. C'était il y a un an à peu près. C'était en février 22. Non, impossible. 22. Ouais, ouais. Parce que Marie était déjà là. Non. Bon. C'est pas Marie non. Qui c'est qui a filmé? Le G, c'est toi. Je t'ai mis avec un pote à moi, on s'était mis là. Ah, je sais qu'on était là. Marie, c'était pas toi? Non. J'ai commencé octobre 2022, moi. Vu. On s'est connu en avril. Je ne te découvre pas d'un fil. Avril. Ah, salut Marie. Donc le ok, d'accord. G, bon, voilà. Très bien. Donc après, tu as eu un Clash G. Voilà. À mon avis, tu l'as pas trop gardé longtemps. Non, j'ai fait une bonne OP dessus. J'ai fait une très bonne OP. C'était vraiment... Ça ne correspondait pas, frérot. C'était une bonne voiture. Ouais. Mais vas-y, frère, on est trop jeune. Et c'est trop ric-rac. J'ai beaucoup aimé. Sinon, tu seras encore avec. Ouais, mais j'ai bien aimé la. Bah, c'est spécial, mais j'ai aimé. C'est spécial de ouf. Voilà. T'as pas ça. Ah non, c'est non, pas ça. Non, c'est pas la facilité de ça. Voilà, c'est pas facile. Il y en a qui comprennent pas quand on dit une voiture est facile ou difficile. Le Clash G, c'est difficile. Ah oui, c'est par contre oui. C'est difficile. Tu fais 10 tours de volant pour passer un rond-point. C'est très lourd. T'as l'impression que t'as pas de direction. Tu sautes dedans. Ça sautille tout le temps. Oh. Ça sautille, mon frère, c'est horrible. Voilà. Et là, aujourd'hui, celle-là. Alors, Marie, approche-toi. Depuis le Clash G, j'en ai eu 4 autres. En un an là. T'as eu quoi, ma poule? Alors j'ai acheté une Golf 4 R32 rouge. D'accord. Qui était en cours de restauration en Espagne, que j'ai acheté, que j'ai terminé de restaurer, que j'ai revendu. Ok. Ensuite j'ai acheté ma première, une autre Golf 4 R32 mais bleue. D'accord. J'ai la même, mais en bleu, j'en ai deux. D'accord. Donc j'ai celle-là, la 5 et la 4. La 4 que j'ai encore. D'accord. J'ai acheté celle-là. Ok. Et j'avais aussi acheté une Golf 4 GTI 25e anniversaire qui est justement à Paris là maintenant. J'ai vendu, elle est à Paris. D'accord. Voilà. Pourquoi t'as décidé de venir avec celle-ci me voir? Parce qu'elle a une configuration, je pense, assez atypique. D'accord. Elle a vraiment une très belle config. Donc c'est vraiment ta préférée du moment? Non, c'est la 4. C'est ma 4 R32. La 4, elle est bien. La 4, ben, c'est ma, j'en ai eu 3, 4. La 4, c'est de la folie, cette voiture. La 4, c'est wow. La 4. C'est vieux, faut dire la vérité. Oui, bien sûr, ça a 20 ans. Ça a vieilli, ça a 20 ans. Ça a 20 ans. Mais c'est toujours un bonbon à conduire. C'est Qu'est-ce que c'est beau comme voiture? Tu vois ce que c'est toi? Ouais, mais tu vois, moi je préfère la 5. Ouais, c'est normal parce que tu es matérialiste. Mais non, la 5, je la trouve plus jolie bien, parce que. Et la 7, maman. Oui, bah forcément. C'est bien. La 4, j'aime pas moi la forme. La 4, j'adore. La 4 R32. C'est carré, c'est le gros, ouais, c'est le ça. Gros avant la main. Ouais, bah oui. Donc, du coup, voilà. Quand tu vas voir la config, tu vas. Ah oui, je vais, certainement. Ouais, une question bête, frérot, parce que moi, tu sais, j'ai eu une R32. Oui, oui. Il y a très longtemps, oui, et j'avais énormément kiffé cette voiture. Mm-hmm. Je m'en suis même fait tirer dessus sur cette voiture-là. On voit que tu regardes pas mes stories, je suis très content. Tu t'es fait tirer sur la 5? Hein? Après un coup de fusil dans la voiture. Ah.
parce qu'en fait, un pote, mon meilleur ami encore actuel, hein, qui s'appelle Hugo aujourd'hui, en fait, si tu veux, on sortait avec la même meuf. Ah, ok. Ah, sympa. Et en fait, la meuf vivait chez son daron, tu vois, et donc en fait, la voiture, c'était la maison. Je te fais le dessin pour YouTube, okay. Parce que là, je suis pas sur Insta où je peux pas y aller, tu vois. Oui, oui. Là, je suis. Ma masse est liée, la couleur. Elle est belle. Et un jour, le daron a découvert le manège. Coup de Zifu, coup de chevrotine dans le golf. Je l'ai raconté en story. Et je crois même que cette vidéo, elle est en repost story sur ma chaîne secondaire. AKR Gang, vous allez voir, elle est sûrement sur. Bref. Et donc, très bien. Montre-nous ça, frérot. Allez, Marie. Ah bah, du coup, alors, est-ce que c'est les jantes d'origine ou pas? Alors, c'est des jantes OM, mais pas d'origine. C'est des jantes d'origine. Tu peux avoir les. Ça s'appelle des jantes Omanite. Ok. Elles existent en 18. Celle-là, c'est du 19. C'est des jantes de Passat R36. Mais ça reste des vraies jantes Volkswagen. Des vraies jantes Volkswagen. Ok, bien très sûr, bien. En 19. D'accord. Ensuite, elle a devant la calandre américaine. Donc, c'est une calandre USA. C'est une calandre qui, d'origine, elle n'a pas de perçage. Donc, d'origine, t'as rien. Oui. Donc, j'ai une plaque qui se met dessus. Oui, alors, donc la plaque magnétique. Non, à l'avant, je suis en plaque ventouse. Plaque ventousée, voilà. C'est encore pire, d'accord. Voilà. Donc plaque ventousée à l'avant, ok. Donc la couleur, comment elle s'appelle? Deep Blue. Deep Blue. Sur la 4 et sur la 5, ça s'appelle Deep Blue. Okay. C'est un bleu lacré. Belle la couleur. Des copies de rétroviseur en carbone, et j'insiste sur le mot carbone parce que tu vas voir après, tu vas péter les plombs. D'accord. Tout l'intérieur est en carbone, le d'accord. moteur. Je vois d'ici, commence pas à filmer Marie. Non, je filme le rien. Ça, c'est ton Instagram, voilà. Ta chaîne YouTube. Ça va pas changer. Donc voilà, n'hésitez pas à la famille, évidemment, on donne de la force, ça fait toujours plaisir. Merci Instagram beaucoup. Et YouTube. Donc le petit toit ouvrant qui va bien, l'antenne GPS. Est-ce qu'elle est d'origine ou non? Alors. Parce que j'ai entendu le son. Ah non, là oui, non. Ouais. Donc dessus, il y a combiné fité Bichstein B14. D'accord. Duritavia avant-arrière, Zimmermann, disque Zimmermann avant-arrière. Ok. Donc niveau freinage et châssis, elle est pas mauvaise, elle est vraiment efficace. D'accord. Et alors échappement, c'est un échappement F-Town agressor en 89 mm, 3,5. Okay. C'est pour ça que ça a gueulé. C'est un diamètre de GTR. Et là, il y a un clapet, mais là, elle est en tube. Là, elle est en tube. Et clapet ouvert, elle est en tube. Petite spécificité pour vraiment les passionnés, oui. La vitre. C'est une vitre de Golf 5 édition Speed. Pour ne pas avoir l'essuie-glace. C'est hyper rare, hein. Il y en a moins de 300 dans le monde. La vitre d'origine est sortie tout en verre. Pour ne pas avoir l'essuie-glace. Il n'y a pas de pastille, il n'y a rien. C'est d'origine. Ok. Donc la vitre a trouvé forcément une talée. C'est l'ancien propriétaire qui l'avait trouvé en Allemagne, la vitre. D'accord. Donc il a réussi à l'avoir. Bon, diffuseur carbone. On le rappelle, en toi, tu mets que du vrai, ma poule. Ah, c'est que du vrai carbone. Hein, alors là, c'est pas moi, je l'ai acheté tel quel. Tu l'as acheté tel quel, d'accord. Par contre, faut savoir, dessus, il y a plus de 10 000 balles de carbone. Ok. Mais l'ancien propriétaire, donc le premier propriétaire en Allemagne, d'accord, il a fait tout en recouvrement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en fait, donc le recouvrement par rapport au carbone, c'est la même chose, sauf que du coup, tu recouvres la pièce d'origine. Donc, t'as le diffuseur d'origine en plastique, mais il a été recouvert en carbone, résine, carbone. J'ai compris. Résine et tout. La pièce n'est pas 100% en carbone. Oui, d'accord. Mais ça reste du carbone. Tu payes le même prix. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Ensuite, il n'y a pas de cale parce que les jantes d'origine sont tellement de déports que tu arrives à faire. C'est important, il n'y a pas de cale. Non, c'est le montage, il se met sec comme ça. C'est sec, c'est le déport de la jante en 19 qui sort les jantes comme ça. Pourquoi tu t'es lancé dans les golfs là? Ah bah après, ça fait 10 ans que j'ai déjà des golfs. D'accord. Okay. Quasiment 10 ans que j'ai des golfs. J'ai toujours aimé la Golf 4. J'ai une Golf 4 VR5. Okay. Pareil, c'est pas très courant. Et les R32 naturellement, parce que c'est mythique, c'est beau. Oui, non, bien sûr. J'aime beaucoup. J'en ai eu 4 en tout avec la 5. D'accord. Et c'est un feeling. Ok. La R32, c'est un feeling. C'est un feeling. Mais je comprends, c'est une voiture de Voilà. Tu peux nous ouvrir le capot moteur, ouais. J'aimerais bien que tu filmes sa tête quand tu ouvres le capot. Alors, filme ma petite tête. Vas-y, je filme la tête d'abord. Vraiment. La couleur est belle, hein. Elle est magnifique. C'est une belle caisse, hein. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est trop, frère. T'es ma Marie. Ah, là, il y a vraiment. Oh, waouh, putain. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, c'est tout mode. Pourquoi? En fait, le premier propriétaire allemand faisait les salons. Donc la voiture, elle était sur R, oui. Elle était exigeante en 20, la voiture était claquée, elle était dans des salons, dans des showrooms quoi. Oui, donc obligé. Donc tout a été recouvert en carbone, le couvre-culasse donc chromé, bouchon d'Audier 8, tout est passé en carbone, la petite visserie dorée. Fait maison. Il s'est fait plaisir.
Oui, ça fait un bon petit plaisir là. C'est fait un vrai petit plaisir. Mais alors, mécaniquement, bon, de toute façon, c'est. Stock. Voilà, il n'y a pas grand chose à avoir hein, là-dessus. Non, à part si tu décata, tu fais une carto, mais là-dessus, décata, c'est énorme. Enfin, ça fait un son. Pff. Ouais, non, c'est trop. Donc, non, là, elle est 98, tout va bien, filtré ABMC. Hein, oui. Heureusement. Bon, les petits trucs habituels. Il n'y a pas de carto. Il n'y a pas de carto. Elle est full stock. Échappement, filtre, c'est tout. C'est ton daily ? Non, du tout. D'accord. Non. C'est quoi ton daily ? Ma Golf 4V5. Ok. Voilà. Et les R32 pour le week-end, les rassos. Moi, c'est bien. Voilà. Ok, du carbone partout. Ouais. Même pas sous par le coffre. Ah, ben le coffre est entièrement en carbone. Donc, l'entourage. Ah, oui, d'accord, il s'est cassé le cul, quoi. Tout. D'accord. L'entourage, les seuils de porte, le repose-planche arrière, tout a été passé. Tout. Ils ont vraiment dû s'embêter. Je pense qu'ils ont dû se casser le crâne, c'est sûr. Parce que même. Le support de prise à ouais. Les cigares tout. Et puis même jusqu'à ça quoi, le ouais, tout, ouais. Tout l'entourage, tout. Enfin, c'est, en fait, c'est un boulot qui est monstrueux. Il n'y a plus de plastique d'intérieur, ils ont tout fait. C'est un boulot monstrueux. Voilà. Mais attends, mais t'as payé ça combien? Alors je l'ai payé 32 000 euros. Elle a 70 000 km. Ça vaut quoi d'origine? Sans tout ça? Bah avec les bornes, boîte manu. Avec les sièges F1, ouais, tu peux trouver autour de 28, 29. Okay. D'accord. Aujourd'hui, hein, forcément, ça prend. Hein. Mais ouais, je pense un petit peu moins de 30 000 euros, tu peux trouver. D'accord. Et toi, tu l'as payé ? 32. Bon, ouais. Ça va. T'es pas non plus, c'est pas non plus hors de prix. Bah non, d'accord. Rien que l'échappement, il vaut 3 000. Oui, voilà, c'est pas non plus hors de prix. J'ai la ligne d'origine. Ouais, c'est pas hors de prix. Je sais à qui elle était avant. Voilà. C'est une voiture qui était vers chez vous ? Elle était à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Elle était à côté de Bordeaux. Moi, je suis dans le nord Midi-Pyrénées. Ouais. Donc voilà. Ok, bon. C'est un prix, mais c'est pas non plus. Ah non, t'as pas payé ça le double. Quoi. 70 000 km, full entretien, paquet fin, cuir chauffant, toit ouvrant, trois portes, tout. Rien que les jantes, c'est 1005, la ligne, c'est 3000, les amortisseurs, c'est 1005. Ouais, bon, t'arrives vite, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Pas non plus trop. Ça reste cohérent comme voilà, tarif, c'est cohérent. C'est vraiment cohérent. C'est cohérent. Très bien. C'est bon. Donc, putain, les sièges, comment ils sont beaux. Donc tout pas de porte. Oh là là, putain, il y a du carbone, mais absolument partout. Alors désolé, elle est un petit peu sale. Non, mais c'est pas grave. Donc tout, hein, console centrale, ça a été passé en carbone, boîte à gants. Les sièges, ils ont été peints couleur carrosserie. Donc c'est beau. Peint en bleu avec le carbone en bas. Putain, c'est beau. Hein. Ils ont tout fait. À l'arrière, la console centrale, les panneaux. Le paquet fin, c'est ça, on est d'accord, hein. Alors le paquet fin, c'est les sièges F1. D'accord. T'as les sièges F1. Elle sortait d'origine comme ça. Oui, tu peux la prendre avec les sièges F1. Bien d'accord. Sûr. Bon, moi, j'avais pas les sièges F1. C'était un pack. C'est propre, hein, frérot. C'est beau. Hein. C'est sympa. Hein. Allez, bah, franchement. Elle plaît au rasso, celle-là. Elle plaît aux gens. Oui. Ou oui. Bah, oui, oui, oui. Ouais, elle plaît. Marie, elle plaît. Incroyable. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, oui. Ouais. Non, c'est vrai, non, parce que Marie, elle adore les golfs. Oui, je sais. On va savoir pourquoi, frérot. Bah, c'est. Alors que je l'ai toujours élevé BMW. Ah, j'aime pas. Ouais, bah, non. Moi, c'est Mercedes. Ah, désolé. Ouais, sais, hein. Moi c'est BM. Ouais, je sais. Ah, bah, M2. C'est beau. Hein. T'es craché avec une M2 toi, non? RS3. RS3, pardon. Oh. Ah, un RS3 là, je le roule. Hein. Ah, oui, bien. Un RS3, je le roule sale même d'ailleurs. N'importe quel RS3, les anciens, les nouveaux, je m'en fous. Voilà. Donc, bah après voilà, c'est chauffant. C'est propre. Il est folle, hein. Putain. Pavillon noir. On va faire le tour, Marie. T'as pas changé le volant, frérot, non, si? Non, c'est volant d'origine. Volant d'origine. C'est resté sobre. Oui. Voilà. Ah, écoutez le bruit. Ça a été âgé aussi, ouais. C'est en cours de préparation. Ouais. Ouais. Ah oui, ouais, je sais. Puis c'est aussi une. Il est incroyable. Il fait des dingueries avec ses voitures. Ah ouais. Donc bah, de ce côté-là, c'est pareil. Hein. Donc les sièges coquets avec la peinture des sièges, tout l'entourage du volant, le pédalier aluminium. Rien à dire. Elle est sale. Hein. Désolé. C'est pas grave. J'ai fait l'extérieur, je disais ça aux gens. Je dis, parce que dans les commentaires, tu connais les gens comment ils sont, ils cherchent tellement la petite bête toujours. T'en as sur ta chaîne YouTube, toi, des fatigués? Oui, un petit peu. Moi, j'en ai beaucoup. Hein, je sais. Ils sont fatigués. Hein. Ils ont pas compris, mais ils sont encore là. J'ai une cinquantaine de vidéos et sur bien une trentaine, il y a des petits fatigués. Fatigués du cerveau. Moi, je les appelle les lits superposés. Ouais. Voilà.
Quoi. Non, non, ouais. Bon. On en a chacun à son lot de lits superposés. Il faut de tout, quoi. Il faut de tout pour faire un bon. C'est ça, exactement. Frérot, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait s'en acheter une? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? À quoi il faut faire attention? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Mm-hmm. Et voilà. Pendant que tu réponds à la question, je vais aller pisser, Marie. Je suis désolé. Sympa. Je te laisse répondre. Voilà. Désolé, mais là. Pas de problème. J'ai mal calculé mon coût. T'inquiète. Ben, comme sur toutes les R32, donc moteur. Bien sûr. On va se prendre un bien. Petit café. Ben, comme sur toutes les R32, donc les VR6, il faut faire attention. Là-dessus, c'est des chaînes de distribution. Et donc, c'est des moteurs qui commencent à avoir un peu d'âge, évidemment. Surtout la 4. Et les patins sont en plastique. Donc, la chaîne, à force de passer, ça bouffe les patins. Volkswagen ne donne pas tellement de préconisations pour faire les chaînes de distribution, mais il faut les faire. Et donc, on peut vérifier les valeurs avec le VCDS, donc le VACOM. On branche la voiture et on peut savoir les valeurs de chaînes de distribution, à combien elles sont usées, etc. Et on estime qu'il faut les changer entre 160 et 200 000 km. Après, ça peut être 120 000, elles peuvent claquer comme plus de 200 000. Mais c'est à prendre en compte car les chaînes de distribution à faire, c'est à peu près 3000 balles. Quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, en général, comme tu enlèves la boîte, tu fais volant moteur embrayage. Donc, on va dire qu'autour de 200 000 km, tu as un entretien à 5 000, 5 500 euros à faire. Mm. Donc, vérifier les valeurs. Ensuite, c'est solide. C'est un VR6, ouais. C'est super solide. L'entretien à jour, les vidanges de boîte. Peut-être attention à la DSG, la boîte automatique des Golf 5. La mécatronique, des fois, qui est un peu, qui a du mal. Les solénoïdes qui se bougent dans la boîte. Sinon, après, il y a RAS. C'est solide. Ok. Voilà. Ah, franchement, il est magnifique. Donc, c'est quand même assez solide, c'est fiable. Ça coûte pas super cher un entretien. C'est des vidanges classiques. Ouais. L'huile n'est pas excessivement chère. Tout est... Bon, voilà, ça reste une Golf à entretenir, quoi. Même que ce soit un V6 ou un 4 cylindres. T'as pas eu de problème, toi, avec Comment? T'as pas eu de problème avec? Non, aucun. Non, aucun. Rien du tout. La 4, la 5, non, rien du tout. Ouais. Non, c'est vraiment, même en termes de châssis, c'est sain, c'est fiable. C'est les premiers systèmes de 4 roues motrices, donc de Haldex, sur la Golf 4 R32. Non, même jamais de problème, c'est fiable. Peut-être des fois un petit peu les calculateurs d'Haldex qui, avec l'âge, bon, ils ont des petits bugs des fois. Mais ça se trouve en occasion, c'est pas méchant. On trouve pas mal de pièces par contre. Okay. La 5 encore plus, donc elle a été produite à beaucoup plus d'exemplaires que la 4. Voilà. Ok. Ce que je peux te dire. Tu vas la garder ou pas? Alors la 4, le plus longtemps possible, vraiment, la 4, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. Celle-là, ça fait 6 mois. Mm-hmm. Pour l'instant, je la garde, j'ai pas pour projet de la vendre, mais comme je m'installe dans le sud dans peu de temps, à voir, bon, mais si jamais. Pour acheter une baraque ou quoi avec ma femme, ça bloque. Bon, je vendrai celle-ci. Okay. Je vendrai pas la 4, je vendrai celle-ci. Okay. Mais bon, tant que je peux la garder, je la garde. Elle est très bien. Ouais, elle est belle avec tous les détails carbone et tout. Elle a pas de borne, elle est, Elle est bien 70, équipée. C'est ça, 70, non? Elle a 70 500 km. Ouais, ça va, franchement, c'est rien. Et la voiture, elle est de 2007. Et je sais que si jamais je la vends de suite, je pourrais pas en retrouver une autre, quoi, comme ça. Non. Une bleue, oui, mais pas avec tout ce qu'elle a. Impossible. Ouais. Franchement, le mec, vu comment il s'est cassé la tête, c'est pas un vrai passionné. Ouais, non, là. Là, le mec, il y allait vraiment entièrement. Ouais. Il s'est chauffé. Voilà. Après, je sais pas si on peut montrer. Je montrais des trucs, quelque chose. Ouais, je sais. Tu voulais montrer quoi? Le son. Ah non, on va attendre qu'il arrive. Oui. Ouais. Oui, quand même. Parce que là, le son, ça va réveiller la zone. On t'a entendu déjà un petit peu tout à l'heure. Là, on dit, ça va réveiller la zone. Donc, non, après, sinon. Sinon, pas plus. Ouais. Voilà. C'est parce que. Ce qu'on peut dire d'autre. Est-ce que tu comptes en racheter, te racheter quelque chose après? Alors non, là pour l'instant, déjà, faut les stocker. Oui. Faut les stocker. Donc les deux R32 plus la V5, faut les stocker, faut les assumer aussi. Faut les assurer. Oui, surtout. Surtout. Donc non, pour l'instant, je reste Volkswagen full. Mmh. Voilà. Les deux 4 et la 5. Ok. Merci, désolé. Atroce. t'as fini? On a parlé un peu, ouais. On a parlé. C'est bien. Voilà. Tu peux nous démarrer, frérot, oui. S'il te plaît. Nous allons entendre ce doux son. Tu sais, Marie, au début de la chaîne, quand je disais fais-nous écouter le bruit, je me faisais défoncer dans les commentaires. Pourquoi? Son moteur. Faut dire son, en fait. Ah, d'accord. C'est incroyable, quand même. Vous êtes prêts? Vas-y. Yeah.
c'est pas mal. Tout à fait respectable. Ouais. Franchement. Voilà. Tout à fait respectable. Bon, écoute, on va s'installer. Je te laisse remettre les plaques. Ouais, ah oui, oui. Marie, je vais te laisser remettre derrière parce que là, oui. Ça a l'air d'être une misère infâme. Maman, c'est mien. La poignée dans le siège, tu pinces le siège. Attends, voilà, tu pinces et voilà. C'est vrai que c'est beau, ça a pas pris une ride. Belle auto. Je vous rappelle la famille de vous abonner à la chaîne là. En activant la cloche des notifications et vous mettez les notifications sur toutes, s'il vous plaît. Merci. Maintenant que ça c'est dit. Maman, c'est hier. Je peux reculer, Maril? Vas-y, vas-y. Je sais même pas où c'est. Ah, c'est là. À gauche, ouais. Hop. C'est bon, Marit? C'est bon. Alors, faut que je fasse attention à bien mettre la ceinture parce qu'en fait, quand je vrille les ceintures de mes abonnés, je me fais engueuler dans les... Je me fais engueuler dans les commentaires. Je pense que là, on est bien. Oh, ça va. Non, c'est pas bon. Enfin, c'est pas grave. Si, ouais, si c'est bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit écran fait maison? Oh, bah, c'est un écran où voilà, tu peux tout checker. Tu as la température, tu as le voltage, tu as tout et tu as internet. D'accord. Tu as tout, le Bluetooth, la musique, tu as tout. Tu l'as remis un peu au goût du jour, frérot, c'est bien. Je l'ai acheté avec cet écran, j'ai aussi l'écran d'origine. D'accord. Le RNS 510, le GPS d'origine, mais l'ancien propriétaire avait mis ça, donc c'est quand même bien plus confortable parce que sur le GPS d'origine, t'as. Ah, bah, frérot, t'as rien, hein, ça y est, c'est fini quoi. Là, on va aller tout droit à gauche, s'il te plaît. Je mets juste un peu le chauffe-eau parce que sinon, on va entendre des bruits parasites. Moi, j'ai laissé le plateau comme ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Écoute, il y a un moment, frérot, stop quoi. Sub. Ouais, vraiment, sub. En tout cas, franchement, c'est une très très bonne caisse. Alors, il faut que je te pose la question parce que les gens vont le dire. Mm-hmm. Tu sais, c'est un truc de ouf. Oui, mais une R32, ça se laisse d'origine. Je pense que tu as déjà dû l'entendre 500 fois cette question. Oui, mais non, moi je suis partisan de ce que chacun fait ce qu'il veut sur sa caisse. Oui, voilà. J'ai des copains qui ont des R32 montées en turbo, elles font 700 chevaux. Oui. Ils ont doublé le prix de la voiture en prépa, c'est leur bagnole. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, très bien. Bah, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur caisse. Et puis des caisses d'origine, des R32, il en existe encore. Bah, bien sûr. Et puis en soi, il y a juste un échappement et puis un vitre air. Oui, oui, il y a aussi tout l'intérieur. Oui, oui, bon après, voilà, les plastiques, c'est des plastiques de Golf 5. Hein. Que ce soit une R32 ou une TDI, tu chauffes une TDI à la casse, tu prends tout l'intérieur en plastique, terminé. Voilà. Non, mais on peut revenir en arrière. Bien sûr. Voilà, faut pas non plus être vraiment. Voilà. Ce son est dingue. Tu voulais absolument la boîte méca? Non. D'accord. Alors, sur la 5, je la voulais soit en DSG, soit en méca. J'ai déjà la 4 en mécanique. D'accord. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir en DSG. Ouais, moi je l'avais en DSG, bon, c'est bien. C'est bien. Ouais. Bah, surtout en ville. Quoi. C'est très bien. Paris, c'est génial. Tu fais ta vie, quoi. Ah ouais. Alors c'est pas non plus trop tape-cul, mais alors les sièges sont bien. T'as vu? Ouais. Les sièges sont bien, putain, ce compteur que t'allumes en bleu la nuit. Incroyable. Ah, ouais. En blanc sur la 4, sur la 5. Ouais. C'est en bleu sur la 4. Avec les aiguilles, voilà, ouais. Voilà, les aiguilles bleues. Incroyable. Tu l'as déjà bloqué le compteur? Non. C'est vrai? Non, vraiment. Moi je l'ai bloqué tout le temps. C'est vrai? Ah, sur la mienne, comment je la conduisais, frérot. Non, jamais. J'ai aimé cette voiture à mort. Et c'est un truc de fou, frère. C'est que c'est vachement long. Oui, c'est long. C'est long. C'est long, c'est long. C'est tout bas et tourne, quoi. Ouais, hein? C'est long. Vas-y. C'est long. Ouais. Là, on va prendre à droite. À droite. Qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher à cette voiture? Lui reprocher? Ouais. Alors, en prenant compte l'âge qu'elle a, tout, pas grand-chose à reprocher. Pas grand-chose à reprocher. Ça consomme, la consommation, c'est raisonnable. D'accord. Ah oui, on a quoi comme conso? 10 litres. 10 litres. Sachant que j'habite en campagne. D'accord, donc tu lui tapes dedans quand même. Campagne, ville, autoroute, ouais. 10 litres. Là, okay. Ma moyenne sur 5000 bornes, 10 litres. D'accord, c'est bien. Bah, c'est bien, c'est vrai. L'assurance, tu te fais ouvrir ou non? Non, du tout. Bah, non, je suis à 47 euros par mois en tout risque à moins de 10 000 km à l'année. Incroyable. Non, voilà, autant que la 4. La 4R32, pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, une 4R. Combien ça vaut une 4R32? Oh, là, ça vaut cher. Ouais, t'as vu? Une de tes premières vidéos, c'est la 4R32 DSG noire à Paris que t'as filmé. Oui. Tu t'en rappelles? Oui. Il y a 5 ans. Le mec a dit dans la vidéo, ça m'est resté gravé. Le mec a dit dans la vidéo, la voiture, elle a 70 000 km à peu près. Et il te dit, je l'ai payé cher parce que je la voulais propre. D'accord. Il avait payé 16 000 balles. Ok. Aujourd'hui, la même. 5 ans après. 5 ans après, DSG noire avec toi ouvrant et 70 000 km, ça vaut quasiment 40. 40. Ouais, 40. Mais 40? Ah oui, 40. Et puis 40, tu la vends 10 000. Une DSG noire avec 70 000 km
avec toi ouvrant, ah ouais. Tu la vends en 10 minutes. Ah oui, je pensais pas autant. Ah, moi, si, je me suis dit, il va me dire 30. C'est horrible. 40 ? C'est horrible. J'ai faut payé, le vouloir. Ben, j'ai, ouais, là, ouais. Il ah, faut le vouloir vraiment. Ben, j'ai payé ma bleue, la 4, avec 110 000 km, toit ouvrant, bleu, carnet complet. Je l'ai payé 31 000 euros avec 110 000 km. D'accord. C'est un billet quand même. C'est un vrai billet. C'est un vrai billet. C'est un vrai billet. Là, les 4R32, aujourd'hui, ça rigole pas. Mais bon, il y a. Il faut tout, frérot. Il y a un marché, voilà. Il y a un marché. S'il y a un prix, c'est qu'il y a un marché. Il y a un marché. Voilà. La R32, la Golf 4 R32, elle a été faite à moins de 12 000 exemplaires. Ouais. Il y a un marché. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, faut vouloir les mettre. Ah, faut vouloir. Mais bien sûr, faut vouloir et faut pouvoir. Ouais, ouais, parce vraiment. Que tu roules pas en daily avec une Golf 4 R32, bloquer 30 000 euros pour une voiture qui a plus de 20 ans. Ouais, c'est vrai. Faut le vouloir. Faut le vouloir. Bon, on entend ce doux son incroyable. Je pense que tu t'en lasses pas quand même ce son. Ah non, ce son là, tu peux pas. Là, je vais t'emmener dans un endroit où tu vas pouvoir te faire un petit plaisir, t'inquiète. On va aller continuer toujours tout droit. Ouais, le son il est typique. Il est vraiment typique. Ça libère en fait. La ligne libère le V6. Ouais. Incroyable. Là, est-ce que tu as des futurs projets sur celle-ci ou non? Ah, rien. D'accord, ouais, ah, d'accord. Non, là, okay. Franchement, dessus. Et futur projet automobile? Ça fait longtemps que je rêve d'une R34. D'accord. Ça fait longtemps que je rêve d'une R34. Bon, malheureusement, pas GTR, hein, c'est pas possible. Aujourd'hui, une GTR, R34 GTR, ça vaut plus de 100 000 euros. Ouais. Mais une GTT que je mettrai à ma sauce, mais bon, le marché est un peu compliqué là-dessus. Donc, pour l'instant, non. Ok, pour l'instant, voilà. Et c'est tout. Gauche. À gauche, s'il te plaît, oui. Tu te verrais pas tout vendre quand même pour acheter ça? Non, jamais. Non. Ok. Ah non. Ah ouais, la 4, okay. c'est mon bébé, la 4. Bah, la 4, elle est dingue. La 4, si un jour je te la monte. Ah bah oui, je voudrais bien, frérot. La 4, avec plaisir. Elle est vraiment incroyable. C'est une voiture de dingue. Et donc là, t'as quoi comme combiné, tu m'as dit? Je suis en Bichstein B14. Ouais, c'est bien, on sent pas la route. Hein. C'est pas. Non, mais c'est pas. C'est tape cul. Mais oui, c'est pas dégueu. C'est ça. Tu vois, c'est pas tape cul dégueulasse. C'est pas sec. Voilà, c'est pas tape cul sec, exactement. C'est un tape cul, mais smooth. Voilà, c'est ça, à droite comme le camion. Mais t'inquiète, on va se refaire l'allée ouais. L'autre côté, donc tu pourras lui mettre dedans, t'inquiète. Ouais, ce son là, il est vraiment dingue. Je pense que ça fait partie l'un des plus sons, un des plus beaux sons des V6. Oui. Ce son là, il est intemporel, il est incroyable. Et puis même, en vrai, ça reste quand même une légende, hein, cette caisse. Hein. Faut pas non plus, tu vois. La R32, tout le monde connaît cette caisse, quoi. Mais la 4 R32, c'est oui. Quand même le Saint Graal. Bien sûr. Et quand tu écoutes le son, ça te fait pas penser à une Z ou une GTR? Ah si, bien voilà. sûr. T'as vu? Quand tu fermes les yeux, t'as l'impression d'avoir une GTR en Atmo. Ouais, c'est vrai. C'est à gauche. Non, on fait le tour et on revient. On revient. Comme ça, les gens, ils vont bien pouvoir entendre ce putain de son là. Ouais, là, ouais. Qui est incroyable. Ouais, c'est ça. T'as vu? C'est dingue. Tu fermes les yeux, t'as l'impression ouais, c'est vrai. GTR. C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et là, on va aller là-bas, s'il te plaît, première à droite. Comme mais ce qui est, comme le X5. Mais moi, ce qui est fou, tu vois, c'est que ce son, il restera gravé dans notre mémoire. Ouais. Quoi. Ce son, il restera toujours gravé dans notre mémoire. C'est une question que je sais pas si tu t'es déjà posée au fil des années, mais ton rêve accessible. Ah ben, ce qui vient de passer. D'accord, la Turbo S. La Turbo S. Ok. Ton rêve inaccessible. Mon rêve inaccessible. Genre un truc qui te fera toujours. Alors tu vas, tu vas rire. Vas-y. Un 6x6 Brabus. Ok. Voilà. C'est à droite. Voilà. Un 6x6 Brabus, quoi. Ouais. 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 C'est t'es fatigué du cerveau à ce point, quoi. Ouais. Ouais. Tu comprends. Je trouve ça bête comme voiture. Ouais, très. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Bien sûr. Mais t'es pas trop. Moi, je pensais, tu m'as parlé de ça, mais le Dodge Ram TRX, non? Ah non, non. Ah d'accord, c'est vrai? Non, du tout. Moi, j'ai toujours juré que j'en aurais un jour. Oui, je sais. J'ai failli en avoir un, mais genre à un, vraiment à un doigt.
Et au final, ça s'est pas fait. Mais j'en aurai un jour, je pense. Importé ou tu devais l'importer, si jamais? Ah non, le mien, il était déjà à Paris, immatriculé. Il avait 10 000 km. Non, c'était pas chez eux. Okay. Il avait 10 000 bornes. C'était un pote à moi. Putain. Et au final, il m'a dit, vas-y, je te le vends. Et le jour où on devait faire la vente, il m'a dit, frérot, je te jure, je l'aime trop. Oh. J'y vais, t'es lourd, frère. Oh, tu devais être Donc, bon, un jour, j'en aurai un, je pense. Oui, un jour. Pour mettre la petite marite. Donc, toi, t'es pas trop américaine, frérot? Pas du tout. D'accord. Bah après si je suis content quand je vois une. Oui non mais bien sûr. Mais t'achèterais pas une américaine? Non. Mercedes? Ah bah évidemment. Mercedes c'est de cœur. Audi j'aime bien, j'en ai jamais eu. Ouais. Mais je trouve ça joli. J'aime. Genre là un petit RS3 tu le roules quand même. Oui bah oui. Ouais. Bah, faut être bête pour dire non. Enfin, ouais. Quand même. Ouais bah oui. Mais ça se défend bien, on n'a pas dit les perfs d'ailleurs. 250 chevaux. Ouais. Plus de 300 newtons, t'es à 350 de mémoire. Ouais. Boîte 6, le 0 à 100, t'es en 6 secondes. Voilà, Vmax, je pense que 250, 260, pas plus. Je pense, hein. Après tu me diras. Sur l'autobahn, combien t'as pris, mais. Sur l'autobahn? Ouais. J'étais pas loin de bloquer le compteur. Hein. Ah, y a on va à la gauche, s'il te plaît. Ah, j'étais pas loin. Hein. Ah, ouais, bah, de toute façon, la vidéo est liée hein, sur YouTube, mon frère. Hein. Ah, bah, il y a plus de 10 ans, il y a prescription. Là, c'est là-bas à gauche. Ah, oui, et oui dans bien mes sûr. Vidéos, bien sûr, dans vu. Mes vidéos où j'ai je. Vu. Des archives, elle y est. Hein. J'ai vu ça. Il y est, hein, donc. Ça marche bien. Ça marche pas trop mal. Ça se défend. Ça se défend tout à fait pour un Atmo. Incroyable. Franchement, c'était un petit essai plaisir. Parce qu'une petite R32, bah, moi, ça me fait toujours plaisir d'en filmer une. Et puis même celle-ci, bah, franchement, elle est vraiment pépite, quoi. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas nous ramener, frérot? Ben, la 4. Allez. La 4, et sinon, là, j'ai ma Golf 4 V5, donc VR5, c'est pareil, c'est un modèle qui est très peu connu, c'est un Atmo, oui. Donc c'est comme un VR6, mais c'est un VR5, et qui l'année prochaine passe soit en turbo ou en compresseur, je suis en réflexion. Ah, je pense qu'en turbo, ça serait plus con. Bien sûr, mais j'adore le compresseur, mais en turbo, c'est vrai que c'est bête. Et là... C'est bête de ouf. Voilà. Donc ce serait le petit projet, c'est une voiture de famille que j'ai depuis 10 ans, que je garderai tout le temps, que je suis en train de remettre à neuf. Je fais beaucoup de vidéos sur cette voiture sur ma chaîne YouTube parce que c'est une voiture qui est très peu connue en France. Ouais, c'est vrai. Trop peu connue. Donc voilà. Bah, faut pas hésiter, mon frérot. De toute façon, tu connais. Bien sûr. Dès que tu as envie de venir, tu nous envoies un message. Marie, est-ce que tu peux expliquer la marche à suivre pour passer sur la chaîne? Alors, il faut contacter AKR-planning avec description du véhicule et des photos. Sur Instagram, bien évidemment. Exactement. Et puis, on vous répond très vite. Et puis, vous passez. En tout cas, frérot, merci à toi. Avec plaisir. Je vais refilmer ton Insta et ta chaîne YouTube. Si vous pouvez lui donner évidemment de la force, la famille, on compte sur vous. Et puis bah moi, il ne faut pas hésiter à manger d'hier. Faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne. Ça me donne de la force, ça me fait plaisir. Et puis vraiment, voilà, j'y tiens. Donc n'hésitez pas à le suivre. Et puis moi, la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut mon frérot, bon Salut, retour. Frérot, merci beaucoup.